Bien, bonjour tout le monde, c'est Kokami68 et on se retrouve donc pour un commentary sur la carte Stadium en recherche et destruction hardcore. Donc sur cette carte j'ai utilisé deux armes différentes. J'avais là en premier donc comme vous pouvez constater la M16 silencieux avec implacable, tour de passe-passe et pirate. Je n'ai pas les atouts en pro parce que vu que ça faisait 19 niveaux que j'avais passé mon prestige, bah, je les ai pas encore hein, malheureusement. Donc ensuite bon bah deuxième arme hein, c'était donc la le FAMAS silencieux avec lequel j'ai fait deux beaux frags. Parce que bon, j'ai pas fait non plus du 12-1 et compagnie, je ne suis pas un killer fou sur Call of Duty Black Ops. Ça c'est déjà une chose qui est sûre. Je me suis fait tuer 3 fois et j'en ai tué 5. Donc pour moi, je trouve que c'était une bonne partie. Là je sais j'ai eu un problème, je tiens à le signaler, j'ai eu un petit problème avec la première manche de cette partie car j'ai je sais pas j'ai il me l'a pas pris en compte en mode studio, peut-être du fait que je n'avais fait pas de frag, j'étais déjà mort une fois. Sur la deuxième manche je m'étais rattrapé en faisant du 3-2, du 3-1 pardon. Là malheureusement ma grenade elle a tué un coéquipier. Bon, on va dire que sa faute a pas de chance hein. On va dire ça. Et ben lui il m'a tué donc j'ai accéléré le clip pour que vous puissiez voir quoi, pour que ça puisse être accéléré quand même. Comme ça ce sera un peu mieux, ce sera beaucoup moins long aussi parce que bon sinon vous allez attendre à regarder un écran du vide. Donc là maintenant c'est à partir donc de la troisième manche où j'ai switché sur le FAMAS. Une troisième ou quatrième manche, je sais plus. Donc là, je me suis aussi fait tuer bêtement. Je me suis fait tuer, mais comme un âne. Donc ici, c'était bien la troisième manche, comme je disais. Je me suis fait tuer comme un âne. Bon, la personne m'a expliqué pourquoi. C'est parce qu'il y en a souvent, il le sait, qu'ils se mettent ici ou bien en face. Dans le même coin. Là, par contre, j'ai laissé tourner. Vous m'excuserez. Enfin, non, j'ai aussi accéléré. Donc voilà. Moi, j'ai bien été content de ce parti. Parce que bon, je veux dire, j'étais satisfait, je me suis fait plaisir avec deux beaux frags que vous avez d'ailleurs là, vous allez voir bientôt le premier dans quelques instants. Donc là je défends A, j'attends de voir s'il y a quelqu'un qui passe par la fenêtre. Donc là on a un collègue à nous parce que je joue avec personne que je connaissais qui nous balance un U2. On va attendre. Et là maintenant je vois le mec qui est en point rouge sur le radar qui avance et je vois juste son bout de tête et je tire. J'étais dessus depuis un moment, j'ai vu son bout de tête et j'ai tiré 2-3 balles et bon il est mort. Bon bah merci beaucoup hein, t'es gentil mec hein, tu leur mets ça quand tu veux hein. Non je déconne. Donc là j'étais parti sur du 4-3, comme vous pouvez le voir. Donc là on était sur la dernière manche. Donc là j'ai vu mon collègue ici, je regarde bien, il est mort. Donc c'est pas grave, là je fais demi-tour parce que j'ai entendu un mec qui marchait au-dessus de moi. Oui j'utilise un casque, donc là il y a mon collègue en haut. Il y a le bug en même temps, je dis pas qu'il m'a aidé pour savoir où il était. Je l'ai tué au jugé, mais bon, j'ai surtout bien entendu aussi marcher au-dessus de moi. Ça, c'est le fait qu'on n'utilise pas Ninja ou qu'on marche debout, quoi. Parce que c'est vrai que moi, depuis hier soir, j'ai changé, je suis passé maintenant sur pirate, sur Ninja. Parce que je trouve qu'avec Ninja, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de bruit. J'étais le dernier à être en vie. Donc, je tourne sur le point A et sur le point B. Donc là, vers le point A, je balance ma petite grenade flash. Enfin, j'essaye de viser l'entrée, mais bon, c'est un petit peu loupé. Donc, on réessaye. Maintenant, je balance mon U2 que j'ai gagné, que j'ai utilisé. Le mec qui utilise un fantôme, c'est pas. Moi, je me dis, c'est pas. Ça me fait toujours pour mes défis. Bon, c'est sûr qu'on est contre du 1 contre 1, c'est pas le top. Je me suis fait voler bêtement le dernier frag à la clé mort. Bon, bah, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Hein. Donc, par contre, je tiens à dire que bon, j'ai fini sur du 5-3, j'étais bien content. Je tiens à signaler que je vais poster cette vidéo sur Code.QG en espérant qu'elle passera pour que j'ai un tout petit peu plus d'abonnés parce que bon, j'aimerais bien quand même me faire connaître. J'espère que Code.QG acceptera cette vidéo. Pour tout le reste, et bah écoutez, moi je vous dis à bientôt sur la chaîne du Kokami68 Code Team. Merci beaucoup, au revoir.